Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être un unboxing GBFKE. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. La marque m'a contacté pour refaire un partenariat avec eux. Donc c'est la sixième fois du coup que je collabore avec eux pour découvrir des nouveaux produits de leur boutique. Donc je suis ravie. C'est une boutique que j'aime beaucoup. Ils ont toujours beaucoup de choix. Les prix sont vraiment très abordables. Donc voilà, j'ai une belle sélection à vous présenter. Alors, on va voir tout ça. J'ai reçu le colis ce matin, donc toujours dans un sachet comme ceci. Alors, il avait l'air bien complet. Donc, on a 3, 4, 5, 6 toiles et un petit accessoire. Hop, voilà. Hop, on va découvrir tout ça. Alors, on va commencer par le petit stylet qu'on voit déjà. J'en ai déjà un comme ça, je ne sais plus de quelle boutique je l'avais eu. Et franchement, je trouve qu'ils sont super pratiques. Enfin, moi j'aime bien quand ils sont pas trop épais, tout ça. Donc moi, le mien, il est plus dans les tons bleu-vert. Et là, il est dans les tons rose-jaune. Je le trouve super joli. Vous voyez, c'est une tête de poisson, le bouchon. Et après, ça fait une queue de sirène. Et c'est un stylet comme ceci. Et vraiment, je trouve qu'ils sont pas trop épais. Ils sont super pour tenir. Et puis c'est vrai que pour diamanter... Enfin, moi, je les trouve super bien. J'aime beaucoup. Donc, voilà. J'ai pris celui-ci. Donc, là, en rose. Il me semble qu'il y avait d'autres coloris. Et je les trouve super sympas. Donc, c'est du plastique, je pense. Donc, voilà. Très léger et très sympa. Et ce petit stylet, du coup, il est qu'à 83 centimes. Donc, vous voyez, c'est pas cher du tout. Ça permet de changer des petits stylets roses. Si jamais vous utilisez que les stylets roses, moi, je trouve que c'est sympa de changer... Si on fait beaucoup de DP, bah, ça permet d'avoir des petits accessoires comme ça super mignons. Donc voilà, la première petite chose. Ensuite, on va passer à une toile. Alors, ça va être super bien collé. Donc. Hop. J'aurais peut-être dû prendre un ciseau. D'habitude, je prévois, mais là... Ah, okay. Bien collé en tout cas. Donc moi, c'est vrai qu'en tout cas, je suis très contente de faire du DP parce que du coup, c'est vrai que ça occupe les journées. Et là, j'ai pas eu de chance. J'ai été testée positive au Covid cette semaine. Donc là, je suis encore en isolement. Donc au début, j'étais tellement malade que je ne pouvais même pas faire de DP. Donc là, il n'y a rien qui allait. Et maintenant, voilà, j'ai repris... J'ai repris de la forme, tout ça, donc maintenant c'est bon. Plus que deux jours, et puis normalement ça devrait être bon. Donc voilà, donc, c'est vrai que le DP quand c'est comme ça, ça occupe, hein, c'est super. C'est-à-dire que j'aime beaucoup ça en temps normal, alors voilà. Alors, ensuite, donc cette petite toile. Je pense que vous aurez directement vu ce que c'était. C'est une petite Gorgeous. Donc là, elle est... La Gorgeous est plutôt petite par rapport à la toile, parce que vous voyez, elle est sur une licorne. Dans un ciel de nuit, un petit peu, on a la lune en haut, c'est très joli. Après, c'est assez terne hein, quand même comme couleur. On a du blanc au niveau de la licorne, tout ça, mais bon, ça reste quand même assez terne. Hop. Donc, elle est un peu roulée, mais ça, c'est rien. Donc, on a 19 couleurs. C'est une 30 par 40. Donc, on a le tableau avec les DMC en haut et en bas. Ça colle nickel, il n'y a rien à dire. Donc, vous voyez, c'est un petit papier transparent comme d'habitude. Enfin, souvent, en tout cas. Avec, on a un petit toolkit comme ceci, donc le toolkit de base. Donc je vous disais, vous voyez, pour changer de ce stylet-là, vous pouvez investir et acheter d'autres stylets. Il y en a à tous les prix sur plusieurs sites différents. Et donc, nous sommes sur des diamants ronds. Donc, on a pas la DMC dessus. Non, on a juste le numéro. Du coup, si vous voulez retrouver la DMC, vous l'avez sur les tableaux. Donc voilà, on a quand même 19 couleurs. Donc vous voyez, elles sont plutôt ternes, assez foncées quand même. Quelques petites touche de clarté, mais franchement c'est une toile quand même plutôt sombre. Donc voilà, les diamants au premier coup d'œil, ils ont l'air bien taillés hein. Souvent de toute façon, ce que je dis, il n'y a pas moi j'ai rarement de problème avec les diamants ronds. Donc voilà, franchement aucun souci. Voilà, j'ai trouvé très sympa. J'aime bien les Gorgeous, donc pas toutes, il y en a que j'aime pas, donc je fais que principalement bah, celles qui me plaisent. Évidemment, je vais pas toutes les acheter ou toutes les recevoir juste pour dire que voilà. Donc voilà, vous m'avez compris. Ensuite, on va passer à la deuxième toile. Celle-là, elle colle moins. Alors.
Et j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment de très très beaux designs. JBFKE, ça faisait un petit moment du coup j'avais pas été sur le site, bah du coup voir ce qu'ils avaient. Et j'aime beaucoup, enfin, ils ont toujours beaucoup de choix, les prix c'est super abordable, c'est super sympa. Alors la deuxième, hop, je vais mettre ça. C'est une toile un peu plus dans le ton du moment, un peu hivernal, avec deux petits oiseaux qui sont posés sur une branche. Et derrière, on voit encore de la neige sur les branches. Je trouvais qu'elle était super mignonne. Donc on a plusieurs couleurs quand même, un petit fond bleu, blanc, puis un peu de vert du coup pour les arbres avec du marron. On a 23 couleurs quand même, ce qui est pas mal, parce que c'est une 30 par 40, donc bord inclus. Donc deux tableaux, un en haut, un en bas. On a toujours les DMC, donc ça c'est top. Et bah, ça colle super. Et vous voyez, moi je trouve ça super. Moi en général, j'essaie de toujours garder les diamants quand j'ai fini. Bon, ça m'arrive des fois quand je suis une petite toile comme ça, d'avoir un peu la flemme et de mettre ça dans un bocal, je mélange tout. Mais sinon, je les prends, je les trie, je les mets dans des sachets comme je vous avais montré dans une de mes vidéos. Et c'est utile parce que l'autre fois, je suis en train de faire une toile de chez New Craft Day et il me manque énormément de diamants d'une teinte, d'une couleur. Donc j'en avais pas dans ma collection, dans mes stocks, j'en avais pas. Donc j'ai fait appel à la générosité sur les groupes Facebook. Je pense que vous avez aussi l'habitude de faire ça. Et une dame va gentiment me dépanner contre une enveloppe timbrée, donc ça rend service. Mais c'est toujours bien quand vous en faites beaucoup d'avoir un petit stock comme ça, je trouve. C'est mon avis. Donc voilà, en tout cas, elle est très très jolie cette toile. Alors, avec, on a un toolkit, donc deux bases avec la petite colle derrière. Mais là, on a des petits sachets zip qu'on n'avait pas dans l'autre. Et là, alors, les sachets de diamants. Donc, ce sont des sachets zip. Et en plus, vous voyez, dans les sachets, enfin, sur les sachets zip, pardon, et ben derrière, il y a un petit logo avec un diamant et c'est le numéro 2 directement. Vous voyez. Et avec, on va avoir dedans la fiche récapitulative. Donc, ce toolkit-là, enfin, ce kit-là de ce diamond painting, il est vachement complet quand même. On a des belles couleurs, donc on les voit pas toutes. Ah, on a un beau rouge là, bien pète. Vous allez voir, tu vois. Et du coup, c'est en sachet zip, donc ça, c'est top, sachet zip. Ça, c'est très très bien. En plus, là, vous avez aussi la feuille. Donc, ça, c'est top. Souvent, les feuilles comme ça, on les retrouve sur AliExpress, notamment. Donc, voilà. Je ne vous ai pas dit la toile qu'on a ouverte juste avant. Donc, c'était la Gorgeous sur une licorne. Elle était à 3,49€. J'ai complètement zappé. Et du coup, celle-ci, elle est à 4,99€. Donc, un petit peu plus cher. Donc, voilà. Ça reste quand même des prix raisonnables. Ça fait moins de 4€ une toile. Franchement, moi, je trouve que c'est super raisonnable. Donc voilà, souvent des fois ça m'arrive, genre là j'aimerais bien faire une commande sur AliExpress, j'en ai vu une qui me plaisait beaucoup de Aladdin et Jasmine dans les couleurs violet, elle est trop belle, et ben même une petite taille ça monte très très vite, donc franchement on se rend compte que les petites boutiques comme ça finalement, après c'est vrai que quand on prend plein de choses ça fait un assez gros total, mais bon si on veut que quelques petits trucs c'est pas cher quoi. Alors, ensuite, celle-ci elle est bien collée aussi. Donc là, je n'ai pas pris d'accessoires à part le petit stylet que vous avez vu au début de la vidéo. Ça va être que des toiles. En fait, ils avaient tellement de choix. J'ai pris plein de choses qui me plaisaient. Je les ai mis de côté. Après, j'ai refait une petite sélection pour rentrer dans le budget de la marque. Du coup, ce que j'ai trouvé vraiment qu'ils avaient beaucoup de choix. Alors, ensuite, on est sur une toile très, très colorée. Tadam ! Alors là, c'est spécial. Peut-être que tout le monde ne va pas aimer. Mais je l'ai trouvée marrante et puis je me suis dit c'est un peu, en fait ça représente un peu, comme vous savez j'aime beaucoup les chats, j'aime beaucoup le mien hein, notamment. Et ça fait un peu le chat, le centre de l'univers, voilà c'est un petit peu, voilà spécial mais j'aime bien. Puis les couleurs sont sympas donc j'aime bien travailler aussi les toiles avec de la couleur, j'adore ça. Donc voilà, je l'ai trouvée sympa. Donc là on a 26 couleurs, c'est quand même énorme. Hein. Vous voyez plus on prend une toile là plus on augmente le nombre de couleurs. Donc 26 couleurs, les DMC avec deux tableaux, un en haut, un en bas. Au niveau des détails, je trouve qu'on voit bien le visage du chat, les planètes en bas, on les voit bien. Je crois que c'est un peu la galaxie, donc ça fait un peu toutes les couleurs quand même. Les petites étoiles, tout ça. Donc 30 par 40, je ne sais plus si je l'ai dit. Le papier, c'est marrant, il est super collé en fait, ça fait pas comme les autres, il est vraiment très très collé. Écoutez, et bon, ça colle, oui, ça colle bien. Sans plus, ça colle. Donc voilà, je l'ai trouvé super sympa. Donc avec le toolkit, donc comme tout à l'heure, on a aussi les sachets zip.
La petite colle qui est devant cette fois-ci. Et là, vous voyez, donc c'est pas des sachets zip cette fois-ci. On a la DMC sur les sachets. C'est des sachets, vous savez, à couper là, tout simplement en plastique. Pas les plus pratiques, mais ça fait le taf. Donc là, on a vraiment de belles couleurs. Alors là, le mélange du rose, du orange, du vert. Là, on a du violet, plein de teintes de violet différents. Un petit peu du saumon, du clair. Alors, franchement, là, il y a quoi s'amuser. Moi, j'aime bien les couleurs quand même. Donc voilà, je la trouve super sympa. C'est la première que j'ai choisie dans ma sélection, je m'en souviens. J'ai même montré à ma mère, j'ai dit regarde, elle a dit bon non, c'est pas terrible. Et moi j'aime bien. Donc voilà, alors du coup le chat Galaxy, j'ai appelé 4,99€. Oui, elle est au même prix que les oiseaux de Noël. Donc je dis des bêtises, j'ai dit à moins de 4€, mais non, ça fait à moins de 5€ du coup. Donc voilà, 4,99€ pour cette toile. Ensuite, on va passer à celle-ci. Elle est grande celle-ci. C'est la plus grande, j'ai l'impression. Et j'ai oublié de vous dire, du coup, au début de cette vidéo, le premier mail avec GBFKE pour cette commande, il a été passé le 25 décembre. Et du coup, j'ai reçu la commande aujourd'hui, le 15 janvier. Donc voilà. C'était plutôt correct. Il n'y a rien à dire. Hop. Alors, celle-ci. Ah oui, celle-ci, elle est superbe. Voilà. Alors, oula, pardon. Hop. Donc, vous aurez reconnu, je pense, les dalmatiens, des 100 dalmatiens. Alors, donc là, on change, hein, ce n'est plus des chats, c'est des chiens. Donc, je sais pas, j'aime bien les 100 dalmatiens. J'aime beaucoup aussi le nouveau film Cruella. Je pense que peut-être certains d'entre vous l'ont peut-être vu. En tout cas, vous voyez de quoi je parle. Il est super aussi. J'ai regardé du coup le premier, le vieux film. Il est top. On le regardait quand on était petit. Et là, par contre, vous voyez, il y a Marie. Je crois que c'est des Aristochats. Je sais pas ce qu'elle a à faire là. Peut-être parce que c'est peut-être une image. Donc, peut-être pour pouvoir la publier, ou rajouter, je sais pas. Mais je ne sais pas si elle y est de base ou dans mes souvenirs, elle n'y est pas. Je ne sais pas du tout. En tout cas, je ne sais pas ce qu'elle fait là, si c'est un rapport ou pas. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. En fait, cette image, je l'ai prise. En fait, quand je l'ai vue, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Quand j'étais petite, chez mon père, on avait un tableau, donc un cadre. Et il y avait cette image-là dedans. Et on l'avait mis, on avait une pièce, c'était une salle de jeu. On appelait ça la salle de jeu, quoi. Et du coup, elle était dans cette pièce et cette image, elle m'a toujours marquée. Et quand je l'ai vue, ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Donc, je me suis dit, oh, je vais la faire. J'adore. Enfin, je pense que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, cette image. Donc, voilà. C'est exactement la même, sauf que je ne me rappelle pas qu'il y avait... je crois que c'est Marie en bas. C'est une petite bêtise. Donc, voilà. Mais elle est trop, trop belle. Donc, il y a plein de couleurs. Donc, vous voyez, donc, ils sont en train de prendre un bain. Donc, les parents et les petits chiens. Et derrière, il y a la lune avec... je crois que c'était à Londres, non ? C'est Big Ben. Et les rideaux et tout ça. Donc, voilà. Petit toolkit de base avec un grand pain de colle, mais sans sachet zip cette fois-ci. Et là, au niveau du format des sachets, on est comme tout à l'heure. Ce ne sont pas des sachets zip, des petits sachets découpables. On a quand même beaucoup de diamants. Donc, oui, je ne vous ai pas dit, je vais trop vite. C'est une 40x50, donc bord inclus. Pareil, deux tableaux, un en haut, un en bas. 24 couleurs, donc vous voyez, on en a moins que tout à l'heure. Et au niveau du collant, écoutez, ça colle nickel. Donc voilà. Et donc du coup, sur les diamants, donc on a quand même beaucoup de diamants, donc pour une 40x50. Hein. Les couleurs, bah du coup, on a pas mal de clair quand même par rapport aux dalmatiens. Mais en fait, ils vont pas être blancs. Je pense qu'ils vont être plutôt dans les tons bleus qu'on a là. Parce qu'on n'a pas vraiment de blanc. Non, on n'a pas de blanc. Alors, il y en a peut-être un qui se cache, mais je ne le vois pas. Donc voilà. Donc on a quand même de beaux diamants. Pas mal de couleurs. Les DMC sur les sachets. Et ce sont des diamants ronds. Donc voilà. Ça va être superbe aussi à faire cette toile. J'aime beaucoup ce design. Donc voilà, plein de bons souvenirs. Hein ? Donc ça, c'était la plus grande toile de cet unboxing. Ensuite, donc là, c'est vrai que ça faisait un gros paquet. Et la marque m'avait donné un budget de 30€. Donc vous voyez, pour 30€, on peut quand même avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 articles. Donc vous voyez, après, ça dépend de ce que vous prenez, la taille, tout ça. Mais sur ce genre de petite boutique, donc notamment GBFKE, on peut quand même se faire bien plaisir. Et ça, c'est top, franchement. Alors, ensuite. Ah,
qu'on va être sur une petite toile. Enfin, petite. Je pense que ça doit être 30 par 40, à mon avis, comme les autres. Hop. Ah oui. C'est une maison, vous avez vu. Une maison, donc dans les tons violets. Ça fait un peu penser à Halloween, en plus, cette maison. Et je la trouvais sympa. J'avais envie pour changer. C'est un truc que je ne sais pas trop, les maisons, hein, les paysages comme ça. Mais je la trouvais sympa pour changer. Donc, on a 23 couleurs. Donc, c'est bien une 30 par 40, donc bord inclus. Elle est plutôt plate, hein, vous voyez, celle-ci, elle est plutôt bien aplatie. On a deux tableaux, toujours, avec les DMC, donc en haut et en bas. Et le collant, ça colle bien, super. Avec tout le kit de base sans sachet zip. Et les couleurs, donc, vous voyez, on en a beaucoup moins que tout à l'heure par rapport à la 40 par 50. Et là, évidemment, on va être beaucoup sur des teintes violet-bleu. Après, on a des touches de noir, de vert, le jaune aussi pour les lumières, je sais qu'on voit, ah c'est plutôt pas vraiment un jaune flashy, hein, voyez, ça va être pas mal je pense, donc plutôt terne, mais dans les tons violet bleu j'aime beaucoup ces couleurs, je trouve qu'elles se marient très très bien ensemble, avec un petit peu de vert en bas, vous voyez, je trouve qu'elle va être super jolie, j'aime beaucoup, donc voilà, je sais pas, ça fait penser un peu à Halloween, peut-être avec la lune, tout ça, les couleurs, une sorte de manoir comme ça, donc voilà. Et décidément, je vais beaucoup trop vite. Les Dalmatiens, du coup, j'ai oublié de vous dire, elle était au prix de 7,99€, donc pour 40 par 50 cm. Voilà, et cette maison, du coup, cette maison toute violette et un peu bleue, elle est au prix de 3,49€. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens des articles que je vous présente aujourd'hui en barre d'infos. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver du coup l'article, où aller voir, l'image. Puis il y aura le prix aussi qui sera indiqué dessus, si jamais ça vous intéresse. Alors, et là, on passe au dernier article de cette sélection. C'est quand même une grosse sélection. J'aime beaucoup, beaucoup leur design, franchement. Ça colle vraiment super bien. Voilà. Alors. Et là, on est sur une Gorgeous. Donc là, totalement dans la période hivernale à laquelle on est, parce qu'on est toujours en janvier. C'est une Gorgeous qui est allongée dans la neige. Donc elle a un manteau, des caches-oreilles et puis des sortes de petites bottes. Donc elle fait l'ange dans la neige, comme on faisait quand on était petit. Donc voilà, je la trouvais super sympa, toute douce comme image. Donc voilà. C'est une 30 par 40 cm, bord inclus. Ça colle super bien, rien à dire. Deux tableaux toujours avec les TMC en haut et en bas. Et on a 22 couleurs. Donc là, c'est pareil, je pense que ça va être surtout sur des teintes bleues et peut-être un peu violet. On va voir ça. Alors, pardon. Petit toolkit comme ceci, sans sachet zip. Et du coup, ah oui, vous voyez, on est sur des teintes plutôt bleu-grise du coup. Là, on n'a pas trop de violet. Du bleu-gris avec quelques touches d'autres couleurs. Donc aussi un peu pour la peau notamment, je pense. Et puis... le tour de son manteau, voilà. Donc là, c'est pareil, c'est les mêmes sachets que tout à l'heure, avec les DMC dessus. Donc voilà. Et en haut de l'image, on a une petite bande comme ça, je ne sais pas ce que c'est, pour décorer l'image, je ne sais pas du tout ce que ça représente. Donc voilà. Et cette petite Gorgeous qui s'allonge dans la neige, elle est au prix de 3,99€. Donc vous voyez, c'est plutôt raisonnable. Hop. Donc voilà, et bien en tout cas écoutez, je suis très ravie de ma sélection, j'ai BFKE comme d'habitude, il n'y a rien à dire, c'est une petite boutique que j'ai toujours aimée, c'est la première boutique avec laquelle j'ai fait un partenariat et des unboxings comme ceci, donc je suis très ravie de pouvoir en refaire un avec eux, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'ils font, les prix franchement il n'y a rien à dire, vous voyez pour ce que je vous disais pour un budget, donc moi j'en ai pour 29,77€ précisément, j'ai eu quand même 7 articles, donc ça vaut le coup franchement. Donc voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a jamais de soucis, le site est plutôt bien fait, et puis la personne avec qui moi je parle pour les partenariats est très très gentille, donc voilà, en tout cas je suis satisfaite. Au niveau de ma sélection, gros coup de cœur pour les Dalmatiens, ce qui me rappelle beaucoup de souvenirs, et après évidemment j'aime toute ma sélection, j'ai eu aucune déception, donc voilà, je suis très satisfaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un article que vous avez préféré parmi les autres.
Et puis ben voilà, écoutez, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!